La plupart des gens, la vie est une ligne droite. Et plus longue est cette ligne, plus ils ont l'impression d'avoir vécu. À l'arrivée, ils se disent, tiens, voilà une vie bien remplie. Mais ce que j'aurais appris avec Ben, c'est que la vie était un cercle. Ben est mort le 4 juillet 1986, quelques jours après son 9e anniversaire. Il n'aura fait qu'un petit séjour de 180 mois sur la Terre. Je crois qu'une des choses les plus difficiles qu'on puisse demander à quelqu'un, c'est d'aider son enfant à mourir. Mais en tant que parent, il fallait bien l'aider à affronter la mort, à la regarder en face, sans chagrin et sans crainte, le préparer à traiter avec elle à l'heure du dernier soupir. Sa ligne de vie avait été courte, mais le cercle de sa destinée n'avait ni commencement, ni fin. Dites-moi, je voudrais vous rappeler que la dernière fois, vous avez tous été particulièrement odieux avec vos deux petites cousines. Alors j'aimerais que vous fassiez un effort, ne les laissez pas en plan. Mais ce sont des filles. Oh, les filles, c'est sympa. Margot, les enfants tournent là. Tu viens? Attention, ne vous cassez pas une jambe. Salut les zèbres. Oh, est-ce que je suis content. Bonjour. Bonjour papa. Et nous voilà, on débarque. Hey Ben. Ça va mon chéri? Brian, j'espère que t'as apporté ta luche. Oui. Génial. Ouais. Carly, Lisa, ça va? Vous venez faire la course? Alors tenez-vous bien les filles, c'est pas de la rigolade hein. Vous êtes prêts? Oui, prêts. À vos marques, prêts, partez. Allez-y les champions. Et ne vous rompez pas les os. Ça ne te rend pas folle, Claire? Quoi? De vivre comme ça? L'hémophilie? Oh non. Ça fait partie de la vie. Oui, enfin, elle ne t'a pas vraiment souri. Écoute, on connaissait les risques. J'étais porteuse. J'avais une chance sur quatre d'avoir un bébé hémophile. Mais tu en as eu carrément trois, ma pauvre. Qui sont devenus des petits garçons formidables. Ça y est. Bon, alors voyons, sauce de soja, gingembre, les ailes de poulet, c'est tout.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma liste du dîner. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma liste pour les courses. Elle est géniale, ta mère. Elle fera encore une liste si la maison était en feu. Et alors? L'organisation évite beaucoup de soucis. Maman, maman, Brian saigne un peu. Oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave, c'est juste une chute. C'est quoi tout ça? Non, c'est rien. Brian perd un peu de sang. C'est pas bien grave. Un coagulant, c'est bon. On peut regarder? Oh, qu'est-ce? Il ne faut pas embêter Brian. Non, non, ça va, ils peuvent regarder. Ça fait mal? Non, on fait ça depuis des années. J'ai l'impression que tout le monde s'est bien amusé. Moi, j'ai été surpris. Je croyais que tu allais leur dire pour le bébé. Eh bien, c'est ce que je comptais faire. Mais j'ai décidé d'attendre qu'on emménage dans la nouvelle maison. Je préfère que ça reste notre secret pour l'instant. Maman, j'ai très mal au ventre. Oh, Ben, tu as mangé beaucoup de bonbons aujourd'hui. Oui, mais il faut vraiment que j'y aille. Papa, tu peux t'arrêter? C'est une grosse urgence. Ouais. Très bien. Mais ne crois pas que j'ai oublié que demain, il y a école. Ça fait mal, hein? Comme si tu allais vomir. Tu sais, en chimiothérapie, c'est pareil. Regarde cette couleur. C'est joli, non? Tu sais comment on l'appelle? Azur. Azur? Oui, azur. C'est celle que je préfère. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Comment ça va, Jessica? Tu lui tiens compagnie? Oui. C'est très gentil. Tu es prêt? Il faut qu'on y aille. Merci, Madame Corman. J'en suis pas encore tout à fait sûr, car on n'a pas fait tous les tests, mais vu l'aspect des choses, il doit s'agir d'un virus. Ou bien, étant donné la diarrhée, d'un parasite. C'est quoi un parasite? Un parasite, c'est, comment dire, un microbe infiniment petit qui s'installe dans ton système et cause des ravages. Des ravages? Mmh. Eh oui. C'est... lorsqu'on n'arrive plus à contrôler. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ben oui, c'est vrai, il se précipite aux toilettes tous les quarts d'heure. Je vais lui donner des antibiotiques, ça devrait tout arranger. Benjamin, est-ce que je pourrais te prendre un petit peu de sang? Oui, bien sûr. Bon, montre-moi la bonne veine et on fait ça tout de suite. Bras droit ou gauche? Tu choisis. Le gauche. Pour le baseball, c'est mieux. Et les antibiotiques ne lui font aucun effet. Et il a toujours très mal au ventre et une très forte diarrhée. Il vient même d'avoir une sorte d'éruption. Il a perdu 5 kilos en une semaine. Je dois dire que je commence vraiment à m'inquiéter. Bon, s'il vous plaît, je suis au téléphone. Vous pouvez m'excuser, docteur. Non, j'y vois plus rien. Brian et Mark Madison, on se calme. Je suis vraiment désolée, docteur Paxton. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça flingue. Je crois que ce serait une bonne idée d'amener Ben à l'hôpital des enfants pour de plus amples examens. Claire, je sais que ça vous fait loin, mais il faudrait mieux ne pas attendre jusqu'à demain. Je préfère que vous me l'ameniez ce soir. Le parasite est probablement la cause de tous ces maux d'estomac. Mais il a aussi de très vilains ganglions sur le côté droit du cou. Une petite tache blanche au fond de la gorge. Tu veux ouvrir la bouche? Encore un petit peu. C'est très bien. Merci. Sally.
Monsieur Madison, Madame Madison, la dernière série de tests n'est pas très concluante. Aussi allons-nous procéder à un examen de la moelle épinière très vite. Et combien de temps ça va demander? On devrait avoir les résultats pour vendredi. Ça fait 4 jours. Pour Ben et moi, ça va? Non, je ne veux pas te laisser, Claire. Non, il faut que tu reprennes ton travail. Et que tu t'occupes de ses frères. Et tout ira bien. C'est bon. Au revoir, mon grand. Maman? Est-ce que le bébé sait où il se trouve? Je pense qu'il doit savoir qu'il est au chaud et en sûreté, mais ça m'étonnerait qu'il sache exactement où il est. Dis-moi, il sait quand il doit venir au monde? Je crois qu'il n'en a pas la moindre idée. Et toi, tu te rappelles le jour de ma naissance? Bien sûr que oui. Tu étais mon premier. C'était sûrement un des plus beaux jours de ma vie. Dommage que je m'en souvienne pas. Tu te rends compte que c'est la première fois que la famille doit se séparer? Oh oui, ça peut aller. Tous ces tests, c'est plutôt pénible. Dis-moi... Tu seras là vendredi soir pour ce rendez-vous avec le docteur Gladstone. S'il te plaît, essaie. Je voudrais pas subir ça toute seule. Claire, le docteur Gladstone vous attend dans son bureau. Est-ce que Greg doit venir? Oui, mais on habite assez loin d'ici et il avait un projet important à finir. Ça lui a pris pas mal de temps. Et puis il s'occupe aussi de nos deux autres fils. Il est en route, mais on peut commencer. Très bien. Nous avons... reçu les résultats des examens, mais on doit vérifier d'autres aspects de l'état de votre fils. Oui, en fait, nous savons que Ben a un parasite, ce qui n'est pas rare dans un cas comme le sien. Hein? Cette histoire de ganglion sur le côté droit du cou répond au traitement appliqué, même si nous ne sommes pas très sûrs de la cause. Il souffrait, en plus, d'un sérieux cas d'infection à la gorge, on appelle ça vulgairement le muguet. Ça risque de s'avérer dangereux si ça n'est pas enrayé, parce que ça pourrait s'étendre au point d'aller empêcher Ben de respirer. Mais nous pensons bien être en mesure de le contrôler. Claire, dites-nous si vous préférez attendre l'arrivée de votre mari. Non. Continuez. Claire... Avez-vous entendu parler du syndrome immunodéficitaire acquis? Comment, le sida? Ben a le sida. Merci. Vous dire que quelqu'un que vous aimez va mourir, c'est comme si le temps s'emballait d'un seul coup. Une fois que l'horloge a repris son cours normal, rien n'est plus comme avant.
chez lui. Oui. Aucun moyen de savoir depuis quand il est infecté. Il a pu recevoir un facteur de contamination à tout moment au cours des 5 dernières années. Et qu'en est-il pour ses autres frères? Bien, le mieux est de leur faire passer un test le plus vite possible. Hélas, je suis dans l'incapacité de vous dire ce qui peut arriver à Ben dans l'avenir. C'est le premier enfant que nous ayons eu avec le sida. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de traiter tous les symptômes au coup par coup. Vous voulez dire... les infections, les maux d'estomac? C'est ça. Et si vous les enrayez? Ce n'est guère envisageable, monsieur Madison. Mais si c'est le cas? Eh bien, si ces symptômes disparaissent, nous pourrons travailler sur le système immunitaire. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend? Par quoi on commence? Monsieur Madison, il faut bien savoir de quoi nous parlons. Statistiquement... 80% des malades atteints du sida sont emportés en moins d'un an. Et les autres? Les autres? Ils survivent un peu plus longtemps. Lucita. Je ne sais rien, je... Non, c'est pas ça. Je veux dire, pourquoi Dieu a-t-il permis une telle chose? Je ne sais rien. Mais je vais te dire. Il peut au moins guérir. Tu as entendu les médecins? S'ils arrivent à supprimer les infections, ils travailleront sur le reste. C'est une toute nouvelle maladie. Il y a des tas de scientifiques de par le monde qui se concentrent dessus. Ils peuvent trouver un vaccin. Il peut y avoir une rémission. Greg. Non, j'ai déjà pensé à tout ça. Je ne peux pas croire que Ben va nous quitter. Ce qu'il nous faut, c'est un petit miracle. Ou alors un grand. Ce qu'il nous faut, c'est du temps. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Il sait ce que j'ai? Eh bien, ils ont découvert que tu avais un parasite à l'estomac, comme le docteur Paxton le pensait. Et c'est pour ça que tu as si mal. Et le truc blanc et pâteux que tu as dans la gorge, c'est une infection appelée muguet. Et... tu as aussi quelque chose d'autre. Un virus. Oui, un virus. Oui, c'est une maladie de grande personne.
Tu es d'ailleurs le premier petit garçon qu'ils aient vu avec ça. Mais ils travaillent sur ton cas. Ils nous donneront des pilules pour ton ventre et des médicaments pour ta gorge. Et quand est-ce que j'irai un peu mieux? Mais pour ça, on ne nous a rien dit. Allez, monte. Peut-être son état allait-il encore se dégrader. Peut-être allait-il mourir. Comment aider un petit garçon en train de mourir à remplir ses dernières mais précieuses journées? C'était décidé. Il fallait que chaque jour soit une fête pour lui. Il fallait que je jalonne son dernier parcours de magie et de rêve. Tu ne sais pas, Ben? On va faire une liste des choses qui te font le plus rêver. D'accord. Numéro 1. Disneyland. Tu te rappelles? Tu m'avais promis d'y aller un jour. Oui, très bien, Disneyland. Quoi d'autre? Un nouveau bébé. Ce sera quoi, un petit frère ou une petite sœur? Il y a une chance sur deux, mais j'espère que ce sera un garçon. Oh, encore un garçon? Tu t'en as pas assez de voir des garçons? Non. On fera une super équipe de basket, hein, papa? Ah, c'est sûr. Et la nouvelle maison? Ah, oui. Mais ton père y a travaillé d'arrache-pied, tu sais. Ah, j'ai hâte. Je crois qu'on l'attend tous avec impatience. Avec deux salles de bain, hein? Cet été-là, on a passé notre temps à établir des listes. On a emménagé dans la nouvelle maison, arrangé le jardin et fait des voyages. Brian et Zach avaient été examinés pour le sida. Les tests étaient négatifs. Je développais toute une stratégie pour organiser de façon harmonieuse le temps qui restait à vivre à mon petit garçon. C'était une façon comme une autre de me fabriquer des souvenirs avec lui. Ces pétunias sont magnifiques. Ouais, mais j'aime mieux les trucs jaunes, là. Comment ça s'appelle? Les boutons d'or? Des jonquilles. C'est qu'en fait, ce sont des bulbes, Ben. Elles ne vont pas éclore avant longtemps. C'est-à-dire? Et pas avant le printemps. Tu veux dire dans un an? Oui. Je veux des jonquilles. Entendu. Tu es fatiguée, chérie? Un petit peu. Eh bien, assieds-toi et repose-toi. On a presque fini. D'accord. Maman, tu as appelé la mère de Jessica pour savoir si on pouvait jouer? Ah oui, oui, bien sûr. Mais Jessica n'est pas très bien pour l'instant. Elle est repartie à l'hôpital. Est-ce qu'elle va mourir? Oh, je sais pas quoi te dire, Ben. On ne sait jamais à l'avance quand quelqu'un doit mourir. Pourquoi il faut aimer les gens tant qu'ils sont encore avec nous? Et si elle meurt, elle ira au ciel? Oui. Est-ce que j'ai une chance de la revoir? Absolument. Si je vois plus Jessica, je pourrais aller chez grand-mère? On verra. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Salut. Oh. C'est pas trop tôt. J'allais avaler mon marteau. Désolée, mais la journée a été longue. Ah, génial. C'est ça? Un peu fatiguée.
Ben s'est mis à parler de la mort aujourd'hui. Oh. Bien sûr, c'était à propos de Jessica, mais je vois déjà arriver le moment où il va se mettre à me parler de la sienne. Et je ne sais vraiment pas quoi lui dire. Tu n'auras rien à dire, il va s'en sortir. Il ne va pas très bien, Greg. Et maintenant, il voudrait aller voir ma mère. Laisse-le y aller. Tu sais, tu n'es pas la seule personne dans sa vie. Je n'ai jamais dit ça. Il se fait simplement qu'il est très mal. Disons qu'il se maintient. Et puis après tout, on ne sait jamais. Peut-être que ces médicaments finiront par être efficaces. Greg, mais voyons... Écoute, son état n'a pas empiré. Il est là à combattre ce truc avec les moyens qu'il a. Alors essaye d'être un peu positive. Vers quelle heure tu rentres? Tard. Je suis à la bourre de 15 jours et Clendon pique une crise. Tu veux que je t'aide? Non. C'est là qu'il est rentré. On se voit tout à l'heure. Attention, revenons à nos écoliers. Ne ratez pas notre promotion. Deux jeans pour le prix d'un seul. Faites votre choix, mesdames. Maman, tu peux avoir ça. Et quoi, des bretelles? Oui, maman. C'est chouette. Bien sûr. Et je parie même que ça t'ira très bien. Tu peux avoir un blouson pour l'école? T'es trop jeune pour aller à l'école, toi. Je sais. Allez, les garçons, on s'occupe des polos pour l'instant. Brian, tu en veux un de quelle couleur? Un jaune. Ben? Azur. C'est une sorte de bleu. Je sais. Je suis vraiment désolée, croyez-moi. Mais on vous a dit que Ben avait le sida au mois de juin et vous disiez que ça n'était pas un problème. Je sais fort bien, Madame Addison, mais c'était avant l'élection du nouveau conseil d'établissement. Et avec toutes ces histoires qui se passent à New York, le fait d'apprendre qu'un enfant avait le sida les a inquiétés. Ils ont voulu prendre leurs précautions. Monsieur Brockett, personne, en aucune façon, ne peut attraper le virus de mon fils. Vous pouvez demander à notre médecin. Mais Monsieur Madison, ils ont déjà contacté le corps médical. Monsieur Brockett, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Ben? Il a passé tout l'été dans l'attente de reprendre l'école. Madame Madison, nous avons des obligations envers tous nos élèves. Le mieux que je puisse faire, c'est de lui procurer un répétiteur à domicile. Jusqu'à quand? Un vote du conseil d'établissement aura lieu vers la fin novembre. Vous rendez-vous compte à quel point c'est long pour un petit garçon de 8 ans, monsieur? Tiens-toi, tu n'y couperas pas. Mon heure est arrivée. Tu peux faire tes prières. On joue pas impunément avec le feu, t'as compris? Alors si t'as un dernier souhait à émettre, vas-y, c'est pour moi, j'en profite. Ne gêne-toi. Est-ce qu'on peut arrêter la télé? Tu peux parler, là. Ça sortira par ici. De toute façon, j'ai déjà vu. Ben, ton père et moi, nous avons vu Monsieur Brockett aujourd'hui. Mon principal? Et il pense que ce n'est peut-être pas une très bonne idée que tu reprennes l'école de la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que j'ai le sida. Tu vois, eh bien, ils ont élu un nouveau conseil d'établissement cet été. Et les gens sont moins bien informés que nous sur ce virus. Alors ils nous ont demandé un petit peu de temps pour apprendre à le connaître. Et ça peut durer longtemps? Oh, ça peut durer 2 mois. Ça fait beaucoup. Oh, c'est pas trop grave. En attendant, ils vont t'envoyer un répétiteur. Je veux pas de répétiteur. Oh, Ben. Je sais ce que c'est. Je suis désolée pour toi. C'est très dur. Bien sûr, je peux comprendre ta déception. Je suis désolée. Faut pas pleurer. Je pleure pas. Vraiment, maman. Faut
faut pas t'inquiéter. C'est pas un drame. Je t'assure. Très bien. Alors, nous avons une règle, un stylo, des crayons, du papier. Brian, tu veux une pomme pour la récréation ? C'est quoi la récréation ? La récréation ? C'est le meilleur moment de la journée. N'oublie pas, hein, c'est la classe numéro 1. Bonjour. Bonjour. Oh, tu es très chic. Maman, je pourrais peut-être prendre ma bécane et accompagner Brian à l'école. Oh, je sais pas, ça risque pas d'être un peu dur. C'est un assez long trajet. Oh, c'est 4-3 blocs. Oui, mais il faut revenir. Je peux le faire, maman, je t'assure. Je viens tout de suite. Allez, Zach, reste avec nous. Faut pas m'en vouloir, maman. Je pensais que ça irait. Oh, mais pas de problème, chérie. Il ne faut plus y penser. Je me sens si fatiguée. Belle! Penny! Mon chéri, non, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis là. Je suis là. Oui, tout va bien, crois-moi. Tu vas rentrer t'allonger à la maison. Maman, est-ce que tu peux mettre une annonce pour vendre mon vélo ? Oui, bien sûr. Si c'est ce que tu veux. Je ne le savais pas encore, mais Ben essayait de me dire quelque chose. Il était en avance sur nous. On dit toujours qu'inconsciemment, les gens le sentent quand ils vont mourir. Sans même s'en rendre compte, il commence à se préparer. Ce sont parfois d'étranges questions ou de longues zones de silence. Mais ils se détachent peu à peu du monde. Ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes, comme s'ils allaient à la recherche de leur âme. Zach, t'as pas envie de faire un tour de manège ? Ah si. Tu veux qu'on s'asseye ? Ouais. Ben, il faut que je te parle de Jessica. Elle va pas bien. Tu te rappelles qu'elle était dans le coma depuis bientôt 15 jours ? Ben, Jessica est morte hier soir. C'était mon meilleur ami. Elle va me manquer, tu sais. Écoute, Ben. On ne perd jamais tout à fait quelqu'un qu'on aime. On peut toujours le garder avec soi, au fond de son cœur. Regarde. Cette photo ne me quitte jamais. C'est le cœur qui prend ces photos. Leur valeur est inestimable parce que tu les prends toujours à des moments très particuliers. Ce sont des pierres de lune, ces moments t'appartiennent. Est-ce que Jessica savait qu'elle allait mourir, maman ? Petit effort. Ça m'étonnerait, grand-mère.
Oh, mon trésor, il faut que tu manges quelque chose. Grand-mère, tu m'en voudras beaucoup si je meurs. Bien sûr que non. Tu crois que papa et maman pourraient m'en vouloir? Chérie, mais tu n'as absolument rien fait de mal. Pourquoi t'en voudraient-ils? Ils se sont habitués à moi. Peut-être je vais leur manquer. Bien sûr que tu vas leur manquer. Mais ils t'aiment énormément. Et ils ne pourront jamais t'en vouloir de quoi que ce soit. Quand ta mère était petite, on avait fait un petit nichoir dans un trou d'arbre creux. Il y avait une sorte de petit toit en pente, presque aussi rigolo que celui-ci. Bonjour. Bonjour, maman. T'as vu le nichoir qu'on a fait? Il est magnifique, chérie. On a presque fini, il n'y en a plus que pour quelques minutes. Bien sûr. Et le temps qu'on mette les affaires dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'air... Il est mal en point, je sais. Il allait très bien les deux premiers jours, et puis d'un seul coup, il s'est mis à tout vomir. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout essayé. T'aurais quand même pu m'appeler, maman. Chérie, je voulais pas t'inquiéter. Je lui ai demandé s'il voulait rentrer chez lui. Il m'a répondu qu'il préférait rester. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais l'emmener à l'hôpital tout de suite. Claire, j'aimerais bien d'abord te parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ben m'a demandé si tu lui en voudrais s'il mourait. Je lui en voudrais, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu l'aimais et qu'au grand jamais, tu ne pourrais lui en vouloir. Claire, est-ce que tu as déjà essayé de parler de la mort avec lui? Eh bien oui, c'était à propos d'une de ses amies qui est morte. Oui, non, mais je parle de sa mort à lui. De sa propre mort. Non, non, pas encore. Claire, je crois qu'il a besoin que tu lui en parles. Sans arrêt, donc il ne peut garder aucun aliment. Ses veines sont en très mauvais état à cause de toutes les intraveineuses, tant et si bien que son corps est privé de nutrition. Pour ainsi dire, il est en train de mourir de faim. Et vous ne pouvez rien faire contre ça? Eh bien, il y a bien une possibilité. Et laquelle? Un système appelé le Hickman. Enfin, disons que c'est un tube que l'on peut insérer dans la poitrine et par lequel tous les aliments passent directement dans le système sanguin. On peut l'appliquer à Ben? On peut essayer, Greg. Mais Ben est des plus atteints, malheureusement. Et le Hickman n'est pas un remède contre le sida. Je suis sûr, ça va faire une grosse différence. Tu vas voir. En arrêtant de vomir, il reprendra du poids. Peut-être. En arrêtant. Non, Claire. C'est moi qui te le dis, j'ai d'excellentes vibrations par rapport à ça. Ce système devrait bientôt le remettre en selle. Ça va nous permettre de gagner du temps. Et Ben pourra reprendre des forces, il résistera mieux aux infections. Greg, as-tu entendu ce que le docteur a dit? Ça n'est pas un remède. Ça n'est pas ça qui va lui sauver la vie. Il ne faut pas s'attendre à un miracle, et tu le sais. Notre rôle, c'est d'aider Ben. L'aider? Mais on fait déjà tout ce qu'on peut. Alors que faire de plus? L'aider à mourir, c'est ça? On l'a bien aidé à faire ses premiers pas.
qu'on lui a appris ses premiers mots. On l'a même pas laissé aller tout seul à l'école le premier jour. Pendant 8 ans, à chaque nouveau pas qu'il effectuait, on était derrière lui. Il ne va pas faire celui-là tout seul. Comment va Ben? Il se répare. Tout va pour le mieux. L'opération s'est bien passée. Attends. Oh, c'est formidable. On le ramène quand chez nous? Eh bien, pas avant 5 ou 6 semaines. Docteur Gladstone, mon bébé doit naître dans 15 jours. Ben doit être revenu à la maison. Oui, ma femme et moi, nous lui avons promis. Je suis désolé, mais le Hickman, c'est extrêmement compliqué. Il va vous falloir un certain temps avant de maîtriser le fonctionnement. Mais on fera en sorte d'apprendre très vite. Parce que c'est important pour nous, docteur. Claire, c'est loin d'être facile, car tout doit être des plus minutés, mesurés et soigneusement ajustés. Ça demande une longue pratique. Et si on s'y mettait tout de suite? Très bien. Il faut d'abord bien fixer ceci. On est bien d'accord, hein? N'oubliez pas que c'est la base de tout le système. Nous avons passé beaucoup de temps autour de cet appareil. Il était très délicat à manier, il fallait vraiment se concentrer. Il nous fallait aussi trouver des trésors de sagesse pour préparer Ben à la mort. En tant que mormon, on nous avait appris que la mort terrestre n'était pas une fin en soi. Qu'il n'y avait qu'un léger voile entre cette vie et celle qui nous attendait. Mais loin de ces croyances théoriques, nous n'étions Greg et moi qu'un jeune couple de parents démunis qui ne voulaient pas laisser leur fils mourir. La terre à Ben, injection du carburant. Maman, tu crois que Ben va aller mieux? Pas vraiment dire ça, mais je crois qu'il se sent un peu mieux qu'il y a seulement 15 jours. N'est-ce pas, chérie? Ah, ça oui. Et ton chantier chez les Clandon, c'est fini? Oui, si on veut. C'est une drôle de réponse. Oh, disons que pour le moment, ils peuvent faire la vaisselle, mais qu'ils n'ont pas la place pour la faire sécher. C'est drôle, on dirait que c'est redevenu comme avant. Je t'aime, tu sais. Allons-y, s'il vous plaît. Encore un petit effort. Poussez. Pousse, chérie. Oh, je suis désolée. C'est la première fois que ça me fait aussi mal. Allons, s'il vous plaît, poussez. Je veux voir la tête. Allez. Allez, tu peux aller. Vas-y, vas-y. Vas-y, ma chérie. Respire. Pousse. Je t'aime, tu sais. Je t'aime. Vas-y. Je vois les yeux. Vas-y, ça y est, le voilà. Pousse. Oui, oui. Oui, c'est un fils. Encore un fils. On vous le donne dans un instant. Je voudrais le voir rentrer de moi. Le pédiatre, tout va bien. Le sang est parfaitement normal. Pas d'hémophilie. Félicitations. Oh. Oh, merci, mon Dieu. Merci. Tu as entendu ça, Daniel? Tu es en parfaite santé, mon fils. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si je prends celui-là? Oh, oh. Bah, il faut bien que j'en prenne un, non? C'est bon, tu prends celui que tu veux. Ah. On est là. Hé, 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 hé. Bonjour, mon trésor. Je peux voir le bébé? Bien sûr. Oh, salut, le bout de chou. Oh, il est magnifique. Alors, les garçons. Attendez. Bonjour, papa. Donne-moi ton manteau. Où est Ben? Oh, il fait un petit somme. Ah, voyons cette beauté. Va avec ton grand-père. Bonjour.
Oh, c'est bien de jouer, n'est-ce pas? Bonjour. Ah, qu'il est beau. À qui ressemble? À moi ou à son papa? Où est-ce qu'il va dormir, maman? Mais dans le berceau où vous avez dormi étant petit, Ben. J'ai déjà mis plein de jouets dedans pour vous. Oh, c'est très gentil. C'est une très, très charmante attention. Maman, je peux le tenir dans mes bras? Oh, oui, bien sûr, chérie. Dany, c'est ton grand frère, chérie. Salut, Dany. C'est Ben. Je n'oublierai jamais cette scène. J'ai ressenti quelque chose de très fort. C'était comme si le temps s'était arrêté pendant une brève seconde, au moment où leurs destins se croisaient. Dany commençait à s'ouvrir à cette vie, et Ben se dirigeait déjà vers une autre. Cette image restera dans mon cœur. Bonjour, Ben. Bonjour. Claire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ray. Bonjour. Bonjour, Dany. Mon Dieu, qu'est-ce que ça pousse. Oui. Alors, comment ça va? Bien, bien. C'était une belle cérémonie. Monseigneur, je voudrais passer vous voir. J'aurais à vous parler. Eh bien, quand vous voudrez. Ça irait cet après-midi. Très bien. Vous savez, Monseigneur, Ben est un enfant des plus sympathiques. Oh, je ne dis pas ça uniquement parce que c'est mon fils. Il est bon, Monseigneur. Et il s'intéresse aux autres. Il est attentif à ce qu'ils peuvent ressentir. C'est le genre d'enfant dont on se dit, tiens, celui-là, ce sera un type formidable. C'est le genre de père de famille génial qui crée l'harmonie autour de lui. J'ai toujours espéré voir ça un jour, Monseigneur. Mais je crois que je n'aurai jamais cette joie. Huit ans, c'est quand même terriblement court. Et me voilà, moi le père. Je devrais le protéger, le prendre en charge. M'occuper des problèmes qu'il va affronter. Et je me débats avec ma peine. Je ne peux pas le mettre à l'école. Je ne peux pas le faire manger sans un tube dans la poitrine. Et maintenant, il va mourir. Et je ne peux absolument rien faire. En réalité, vous pouvez faire énormément. En l'aidant à se tenir prêt. Claire n'arrête pas de me dire ça. Mais est-ce que j'en suis capable? Bien sûr que oui. Je vous connais. Je sais que vous en avez la force. Votre fils a besoin de vous maintenant. Vous devez le prendre par la main et l'accompagner jusqu'à la porte. Mais pour cela, il faut accepter de le laisser partir. Tu trouves pas qu'il ressemble un peu à maman? C'est plutôt à moi qu'il ressemble, oui. Vous avez raison, tous les deux. Je crois qu'il a carrément un petit peu de nous tous. C'est amusant de penser qu'on a été aussi petits que ça. Pas vrai, les enfants? Mais Dany, ah, c'est peut-être incroyable, mais même maman a été un tout petit bébé. Et moi aussi, figure-toi. Est-ce que tu peux imaginer papa aussi petit que Dany, Isaac? J'étais même un beau bébé. Vous savez ce que j'étais aussi? Ce que nous sommes tous, quand on vient au monde. Un esprit nouveau et pur, qui pénètre dans le monde pour la toute première fois. Et quand on vient au monde, notre esprit se glisse dans l'enveloppe charnelle, comme dans un gant. Et c'est votre esprit qui vous fera bouger, guidera vos pensées, vos sentiments. Regardez, c'est notre esprit. On vient au monde, et le voilà
qui se glisse dans l'enveloppe charnelle. Comme ça. Et pour toute la durée de votre vie, et votre esprit et ce qu'on appelle le corps ne font plus qu'un. Alors, quand le moment est venu pour votre esprit de quitter ce monde, qu'il est l'heure de partir, il va lentement se glisser hors de votre corps, comme il est venu. Et si le corps est appelé à mourir, l'esprit, lui, vivra toujours. En fait, mon corps est comme un gant. Oui. Et mon esprit, lui, il va au ciel. Oui, c'est ça. Est-ce que je vais mourir, maman? Oui, Ben, bien sûr. Nous allons tous mourir, mais mon heure viendra peut-être avant la tienne. Papa? Ça ressemble à quoi, le ciel? Eh bien, voilà. Tu sais ce qu'on ressent quand on part en voyage, ne serait-ce que pour des vacances. Même si c'est formidable et que c'est la grande joie, on est finalement impatient de rentrer à la maison. Mm-hmm. Aller au ciel, c'est pareil. C'est comme rentrer chez soi. Oui, mais c'est comment ? Et c'est magnifique, Ben. On y voit toutes les créatures de Dieu dans leur perfection. Mais je connaîtrai personne là-bas. Oh, bien sûr que si. Quelqu'un que tu connais viendra vers toi. Quelqu'un que tu aimes. Ton grand-père Henri. Ta grand-mère Marie. Et Jessica. Oui. Jessica aussi viendra vers toi. Bonsoir, papa. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Papa, est-ce qu'ils ont du chili au ciel? Alors ça, j'en suis pas très sûr. Bonne nuit. C'est pas croyable, ça! Enfin, je rêve ou quoi? C'était prévu pour le 5 février et nous voilà au 16. Je suis désolé, monsieur Tillman, mais ça n'a pas été facile pour moi dernièrement. C'est pas mon problème. Ça ne sera guère plus facile pour moi quand ma femme verra ça. Elle avait l'intention d'emménager ce week-end. Je vous fais toutes mes excuses, mais mon fils était vraiment mal en point. Ben, je suis désolé pour votre fils, Greg, mais on a un contrat et j'espère qu'il sera honoré. Hé, hey, Greg, tu attends une livraison d'appareils? Oui, dis-leur de laisser ça devant. Écoutez, monsieur Tillman, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre lundi? Non. Greg, je pourrais te parler une seconde. Excusez-moi. Fais attention, on a les mains liées. Et comment ça? On a un engagement, c'est tout. Oui, je sais, mais il est même stipulé qu'en cas de retard, il pourrait ne pas payer. Thank you.
C'est une pancréatite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faudra au moins doubler les doses de calmants. Il n'y a rien d'autre à faire? Non. Étant donné les autres complications. Vous allez le garder longtemps? Je ne sais pas, Claire. Ben ne pourra peut-être pas retourner chez vous. Il ne se réveillera pas avant quelques heures. Je passerai le voir. Merci, docteur. Ta mère peut prendre des enfants à la maison avec elle? Non. Non, je veux qu'il reste ici. Il n'est pas question de se disperser, Greg. Moi et Danny, ici avec Ben, toi, tout seul, la moitié du temps, les garçons expédiés chez mes parents. On pourrait mettre Brian à l'école de l'hôpital et toi, tu pourras venir au moins deux ou trois fois par semaine. Il faut que nous soyons une famille unie, aussi longtemps qu'on le pourra. Très bien. On va faire comme ça. N'ayez pas peur de leur poser des questions et, le cas échéant, de leur parler de vous. Et même jouer avec eux s'ils en ont envie. Car si vous êtes dans ces murs, c'est pour leur tenir compagnie. Aider ces pauvres enfants à oublier pourquoi ils sont ici. Voyons. Toutes les chambres qui sont à cet étage vous sont ouvertes. Alors n'hésitez pas à entrer et à prendre des contacts. Les enfants sont habitués aux bénévoles et ça leur fera plaisir de vous voir. Je voudrais encore vous remercier de bien vouloir consacrer un peu de votre temps à l'hôpital des enfants et... Eh bien, voilà, allez-y sans plus tarder. Dites-moi, je peux aller là? Oui, ça, c'est le petit Walker. Il est à la chambre 118. Excusez-moi, juste une précision. Derrière cette porte, l'enfant a le sida. Oh. Ah, je vois. Oh, sois gentil, Zach. Ben ne sent pas bien. Viens, va jouer avec Danny. J'ai mal. Je sais, chérie. Mais je sais. Maman, ça fait mal quand on meurt. Non, Ben. Toutes les parties de ton corps d'un seul coup se détendent. C'est une véritable sensation de paix. Je voudrais bien qu'on prenne un calme, moi. Écoute-moi bien. Si on te donne des calmants à longueur de journée, tu passeras ton temps à dormir. Et tu seras trop fatiguée pour voir ton papa quand il reviendra. C'est comme ça que tu veux passer le reste de ton temps à dormir? Non. Écoute. Écoute-moi bien. Nous allons établir un barème de 1 à 10. 1, la douleur est infime. 10, elle est très forte. Quand elle deviendra trop forte, je te promets de tout faire pour qu'il te donne quelque chose. Ça marche comme ça. D'accord. À quel chiffre en es-tu pour l'instant? 4. Alors, on va encore attendre un peu. Est-ce que tu veux regarder la télé? Mm-mm. Tu as envie de lire? Tu me chevilles, aide-moi un peu. Dis-moi ce que tu veux. Ce que je voudrais, c'est apprendre le violon. Oui, je vous appelle pour des leçons de violon. Il s'agit d'un petit garçon qui est très malade. Oui, oui, ce mardi, ça ira très bien. Il a le sida. Oui, je comprends très bien. Je vous remercie. Bon sang, vous ne pourriez pas arrêter, s'il vous plaît. On ne s'entend plus ici. On peut pas aller chercher des pizzas? Dès que papa sera arrivé. On peut aller voir Ben? Non, on ne peut pas, il dort encore. Alors on peut peut-être aller faire un tour? Très bien, mais
Mais écoutez, d'abord, laissez-moi téléphoner. Oui, je vous appelle pour des leçons de violon. Menuhin. Pour la prochaine fois que tu viens, je te joue au clair de la lune. Ah, c'est un de mes morceaux préférés. Bien, je vais repartir parce que j'ai un assez long trajet à faire. Mmh. Oh, il y a pas mal de gens qui vont aller dormir aussi. Oh. Allez, dites bonsoir à votre frère. Tiens, Ben. Merci. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonsoir. On se voit ce week-end. Mmh. Bonne nuit, Benny. Et à demain matin. Bonne nuit. Dis-moi, tu veux que je te ramène un hamburger? Non, merci, il faut que j'aille. Je fonce à l'hôpital. Ben, ça fait une sacrée trotte. Combien de temps tu mets? Oh, un tout petit peu plus de 2 heures. Écoute-moi, Greg. Je sais que tu as pas mal de problèmes avec l'hôpital et tout. Si ça peut t'aider, t'as qu'à taper dans ma paix pendant un moment. Vraiment un problème d'argent. Par ailleurs, tu as déjà une famille à assumer. Oui. Oui, excuse-moi, je ne voudrais pas insister, mais je me demandais comment tu payais tes factures. Je sais pas. Je m'appelle Claire Madison, mon mari vient d'être admis ici. Madison, oui, il est ici. Mademoiselle, j'aimerais vous parler tout à l'heure. Greg! Ne t'inquiète pas, chérie, tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, rien, ce n'est pas grave. Oh, Greg, ça ne peut pas être rien, on t'a mis aux urgences, non? J'ai eu une petite crise cardiaque. Oh, c'était une grosse crise d'angoisse, Madame Madison, ce qui très souvent fait penser à une crise cardiaque. Il a eu de la chance. Il aurait très bien pu s'évanouir au volant. Mais est-ce que ça va aller? Oui, s'il n'en fait pas trop et s'il se repose un peu. Je lui ai donné quelques tranquillisants, mais il devra ralentir son rythme pendant un certain temps. Et je lui ai conseillé d'aller voir quelqu'un et d'en parler. Mais je n'ai pas besoin d'un psychiatre, ça va, je vais très bien. Moi ici, chérie, je vais chercher la voiture. Claire. Chérie, s'il te plaît. Il faut que tu fasses attention à toi. Toi aussi, bon sang, tu es fatiguée. Greg, il ne s'agit pas de moi. Moi, ça va. Ce que je veux, c'est te voir toi en forme. Greg, je veux te voir en bonne santé. Très bien. Très bien. Code bleu, chambre 116.
Côte Bleue, chambre 116. C'est celle de Ben. Venez les garçons. Sally? Oui. Oui, elle a eu une très grosse crise. Je m'occupe des enfants. Allez-y. Venez. Tiens, prends ça, Zaki. Vous voulez bien appeler Greg? Oui, oui. Tenez-le, attention à sa tête. Allez, quoi? Tenez-le, quoi? Attention! Ben! Attention! Ben! Attendez, laissez-moi garder le contrôle de la situation. Hein. Tenez-le bien. Je ne veux pas qu'il se blesse, surtout. Allez-y, attention! L'appareil aspiratoire, vite. Je vais appeler. 116. Attention, attention. Là, le Valium fait son effet. Il va agir. Voilà. Ça va aller, mon vieux. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Billy, tout va bien. Je suis là. C'est fini. Je veux rentrer chez nous. Je veux rentrer chez nous. Oui, je sais, je... Oui. Je crains que ce ne soit pas possible. Il n'est pas très bien du tout. Il faut qu'il en reste. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je t'aime. Je t'aime. Claire? Vous avez l'air épuisé. Je le suis. Bah, où est Greg? À la maison. Il devait reprendre son travail. Est-ce qu'il peut passer demain? Non. Le docteur a demandé à ce qu'il arrête toutes ses allées et venues. Oui, mais ça met toute la pression sur vous. Je sais, mais nous n'avons pas vraiment le choix. Sally, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Vous avez vu beaucoup d'enfants en train de mourir. Dites-moi ce qu'ils ressentent. Quand la toute première vision de la mort se manifeste, ils entrent dans une espèce de transe. Ouf, ils ne sont pas inconscients, mais c'est comme s'ils étaient absents. Et la plupart d'entre eux nous parlent d'une lumière. En général, elle est au bout d'un long tunnel. Et ils veulent aller vers elle, mais très souvent, ils sont déchirés par le fait d'y aller et de laisser derrière eux leur famille. Mais quand finalement, ils se laissent aller, un sentiment de paix immense les envahit. Ils sont soulagés. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Jeff. Et toi? Ben. Je peux m'asseoir un petit moment? Vous êtes docteur? Non, non. Moi, je suis un bénévole, mais j'aimerais bien devenir un docteur. Vous serez obligé de faire des piqûres. T'aimes pas ça, hein? Avant, non. Mais maintenant, on me file mes médicaments par le Hitman. Il a raison. Alors, tu regardes quoi, Megatron? Vous connaissez bien Megatron? Ah oui, bien sûr, c'est même un de mes dessins animés préférés. Moi aussi. Ah ouais? Eh ben, les grands esprits se rencontrent, hein, comme on dit. Ouais. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Je te présente Jeff. Il est bénévole. Il adore Megatron. Bonjour, Jeff. Claire. Bonjour.
Quant à ce petit dormeur, c'est Danny. C'est la première fois qu'on a la visite d'un bénévole. Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous passons du temps auprès des enfants pour soulager les parents. Ouais, tu vas pouvoir te reposer, mon... Ben, je sais pas si c'est bien raisonnable. Ne vous en faites pas, je peux rester une heure ou deux en sa compagnie. Allez, maman, détends-toi. Très bien. Tu aimes la guerre des étoiles? Oh, j'ai dû voir les trois films au moins 5 fois. Et moi 6. Je ne savais plus qui de Ben ou de moi avait le plus besoin de Jeff. En tout cas, c'était un cadeau du ciel. Comme il n'avait pas connu Ben avant, il n'éprouvait ni sensation de perte, ni tristesse. Son plaisir tout simple de passer de longs moments en sa compagnie ravivait le moral de Ben. Et par conséquent, le mien. D'accord, je me rends. Les bons jours, on appréciait chaque sourire et chaque instant de gaieté. Et les mauvais jours, on se disait que ça allait revenir. Je vais mourir, tu sais. Hé, ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que c'est loin d'être une certitude. Mais si. Tu as peur? Non. Ah, attends une seconde, il y a satané fil là tout emmêlé. Tu ferais un bon docteur. Et c'est ce que tu crois? Ouais. J'en ai connu des dizaines. Mes parents me disent qu'une fois qu'on est mort, on n'a plus du tout mal. Et que c'est pas effrayant parce que une personne qu'on aime, une personne qui est déjà morte, viens au-devant de vous. Mais tu sais à quoi je pense? C'est qu'on est tous l'ange gardien d'une personne qu'on a déjà croisée, comme ça, par hasard. Une personne vraiment particulière. Peut-être que c'est moi qui serai ton ange gardien. Si vous pouviez me descendre quelques jeux de société, j'apprécierais beaucoup. Excusez-moi. Oui. Jeff, c'est ça? Oui. Vous passez beaucoup de temps avec le petit Madison. Oui, c'est exact. Je vous ai déjà mis en garde. À propos du sida. Oui. Figurez-vous, c'est contagieux. Écoutez-moi, madame. Ses parents... Ses frères et un tout petit bébé passent leur temps ici, alors il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Écoutez, c'est mon travail de m'occuper de ça, et vous, vous êtes bénévole. Eh bien, disons que c'est bénévolement que je suis son ami. Merci. J'ai pas besoin de regarder. Je vais prendre un filet mignon cuit à pois. Ça m'a l'air bon. Alors, dis-moi quelque chose. Je t'en prie, fais-moi la cour. L'endroit est romantique pour une fois, fais-moi fondre. Eh bien, je ne m'attaque pas aux femmes mariées. Bon. Eh bien, on ne dira rien à mon mari. Et comment est-il, ce fameux mari? Il a de l'allure. Il est charmant. Et fort. Greg, tu te calmes et tu respires. Profondément. Non, je ne veux rien pour le moment. Tu n'as qu'à commander. Je ne peux rien. Oh, mais je ne t'ai rien dit. Ça me tombe dessus comme ça, sans prévenir. Greg, il faudrait que tu arrives à en parler à quelqu'un. Non.
Mais enfin, qu'est-ce qui t'effraie autant? Crois-moi, ça t'aidera. Je me vois assez mal étaler mes états d'âme à un étranger que je devrais payer pour m'écouter. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Que mon fils est mourant et que j'ai l'impression de mourir avec lui? Je suis dans le même cas que toi. J'ai peur, moi aussi, mais je ne peux pas fuir et me réfugier derrière une crise d'angoisse. Tu es une femme si parfaite, si énergique. Oh, c'est ça, Greg. Prends tes états d'âme et va-t'en. Laisse-moi au moins mener à bien ce que je dois endosser toute seule. Attends. Qu'est-ce que tu fais de ces 10 années qu'on a passées ensemble? J'ai quand même toujours été là quand il fallait, non? Tu crois que ça m'amuse de ne pas être à la hauteur en ce moment? Tu crois que ça me fait plaisir de vous laisser tous les deux dans cet hôpital? Mais essaye au moins de comprendre. Je ne demande qu'à comprendre, Greg. Crois-moi. Je sais qu'on a plusieurs choses à régler. Mais pour l'instant, on doit mettre tout ça de côté. Il faut qu'on serre les coudes. Pour peine. Quand la douleur atteignit le chiffre 9, nous décidâmes de ramener Ben à la maison. Les médecins ne pouvaient plus rien faire. Le cercle de vie se refermait sur notre petit garçon, et on le savait. Ce qui nous restait à faire, c'était l'entourer de tout notre amour pour l'aider à refermer le cercle complètement. Maman, regarde. Les jonquilles. Pour Brian, le robot. Ah, ça lui fera plaisir. Mes pistolets à bouchon pour Zach. Tu sais, Ben, ce que font la plupart des gens quand ils veulent léguer leurs affaires, c'est un testament. Un testament? C'est une liste de tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils veulent donner. Tu veux en faire un? Ouais. Moi, Ben Madison, j'ai fait mon testament et voilà la liste de ce que je laisse. Voiture électrique, Zach. Dinosaure, Danny. Pistolet à eau, Kate et Randy. Luge, Carrie et Lisa. Voiture de course en bois, Brian. C'est parfait. Et voilà, les 9 Attention. Bougies sont allumées. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire béni. Joyeux anniversaire! Allez, tout le monde fait silence pendant que Benny fait un vœu. Bonjour. Bonjour. Comment ça va?
pire en pire. Il a très mal. On est obligé de lui donner de plus en plus de calmants. Il somnole sans arrêt. Je suis venue parce que Greg et moi, on aimerait te demander un grand service. On voudrait que tu lui fabriques son cercueil. Ça va être très dur pour moi, Claire. Oui, je sais bien. Mais c'est comme ça. C'est important pour nous. Et en particulier pour Ben. Salut. Bonjour, papa. Comment tu te sens? Je sais pas. Disons que ça va. Je veux seulement que tu saches une chose. Je suis très fier d'être ton père. Je te le dis sincèrement. Tu m'as beaucoup apporté pour tout le reste de ma vie. C'est un honneur pour moi de t'avoir pour fils. George. Je ne peux pas. Chaque clou, c'est comme... un trou dans mon cœur. Oh, George. Tu n'aurais donc pas compris ce que les enfants te demandent? C'est de passer tout simplement tes bras autour de Ben dans la mort, comme tu le faisais dans la vie. Tu verras une lumière bénie, une merveilleuse lumière, dans le lointain, tout au bout d'un long tunnel. Ton esprit va quitter paisiblement son enveloppe terrestre et se dirigera tout droit vers cette lumière. Ce sera comme si un voile trop épais t'était retiré des yeux et que tu puisses enfin tout voir. Mais par-dessus tout, tu ressentiras comme une énorme sensation d'amour. Est-ce que ça va être long? Non, Benny, ça ira très vite. Ce sera un peu comme quand on cligne des yeux.
Il est 3 heures. Si tu allais dormir. J'y suis bientôt. Il faut que je finisse cette nuit. Il le faut. Et va te coucher, toi, j'en ai plus pour longtemps. Grand-mère. Zaki. Mais qu'est-ce que tu fais debout? Grand-mère, j'ai vu un petit fantôme dans ma chambre. Ça n'était pas un fantôme. Allez, viens. Viens avec moi. Tu as dû faire un mauvais rêve. C'était Ben. Et en plus, il m'a dit qu'il avait plus mal. Il était venu me dire au revoir et aussi qu'il m'aimait. Voile de plus en plus transparent, mon chéri. Tu peux voir la lumière. Nous t'aimons, Ben. Nous t'aimons. Va vers la lumière, mon amour. Va vers la lumière.